Ce thème, vous verrez, à la fin de ce let's play, il vous sera gravé en tête à jamais. Vous en rêverez même la nuit. Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un nouveau let's play, donc, comme vous l'aurez compris, le premier épisode de Papers, Please. Un jeu assez particulier, assez singulier, vu que on est là sur un jeu de... J'allais dire de stratégie gestion, non c'est pas vraiment ça, enfin même s'il y a une petite part gestion, je dirais c'est plus un jeu d'observation en fait, un jeu dans lequel il faut être assez acerbe vu que nous sommes dans ce jeu donc à la place d'un douanier, d'un garde frontalier et nous devrons eh bien contrôler tous les entrants qui voudront rentrer tout simplement dans notre pays que vous allez pouvoir découvrir tout de suite à travers le mode histoire. Alors là, c'est la deuxième, troisième fois que j'essaie de faire la vidéo, vu que j'ai eu un problème sur les deux tentatives précédentes. Donc bon, voilà, on va essayer de la réussir cette fois-ci, et j'espère pas avoir à recommencer encore une fois. Alors félicitations, on a reçu un courrier nous disant que notre nom a été sélectionné lors de la loterie du ministère du Travail du mois d'octobre. Regardez-moi ce logo, quoi. Là, on sent déjà avec le thème sonore, là, et... en fait d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, c'est que ce jeu, malheureusement j'ai oublié qui a développé ce jeu, mais bon si vous revenez sur le menu du jeu, enfin vous verrez qu'il y a le nom du créateur du jeu, je sais pas s'il est américain ou s'il est russe ou quoi, mais ce jeu se veut également être une critique du régime totalitariste du régime de l'ex-URSS, vous voyez. Enfin, pour vous situer un peu la trame. La trame temporelle se situe donc en fait en fin 82 comme vous pouvez le voir, donc loterie du travail. Ce qui est fort en plus c'est que mon nom en fait a été tiré au sort lors d'une loterie pour aller bosser en tant que garde frontalier, quoi. Je me suis même pas présenté pour bosser là-bas, quoi. C'est grâce à une loterie que j'ai eu mon taf, quoi. Mais faudrait faire ça en France, quoi, avec tous les chômeurs qu'on a, qu'on fasse une grande loterie et qu'on nous désigne un boulot, quoi. Bah ouais, quoi, merde. Mais ce qui me tue c'est surtout le logo, comme ça si ça rappelle pas le communisme, quoi, putain, bon. Oh putain, bon après, perso je suis pas vraiment, je suis pas favorable au communisme, hein, mais bon, chacun a le droit d'avoir ses propres opinions, on va pas lancer un débat là-dessus sur cette vidéo. Pour prendre vos fonctions, présentez-vous immédiatement au ministère des admissions du poste frontalier de Grestin. Un appartement de classe 8 vous a été affecté à Grestin Est, vous pourrez vous y installer avec votre famille, car oui, nous avons également une famille à charge en fait. Et à la fin de chaque journée de travail, nous toucherons un salaire journalier. Et nous devrons subvenir aux besoins de notre famille, tout simplement, pour que ne succombe pas de la maladie, de la faim ou du froid. Gloire à l'Arstotska! Vive la toute puissante Arstotska! La voix de l'Arstotska, le poste frontalier, le poste frontière de Grestin, enfin ouvert après 6 ans de guerre, le ministère des admissions peut-il assurer notre sécurité, les familles réunifiées? Oui, parce que, avant que la frontière soit ouverte, il y avait donc eu une guerre de 6 ans. Alors, je sais pas avec qui, mais bon, en tout cas, c'est qu'il y a eu une guerre, quoi. Et donc, quelque part, moi, est-ce que, franchement, j'ouvrirais les frontières après une guerre de 6 ans? Non, pas tout de suite, quand même. Ça me semble assez dangereux. Bon, enfin, bon, bref. Le fait est que j'ai été tiré au sort pour faire ce boulot. J'espère qu'on va quand même bien s'en sortir. Bon, vous allez voir que... Les premières journées de boulot, là c'est la première journée, sont relativement simples, même très simples, parce qu'on n'a qu'un seul document à vérifier. Mais au fur et à mesure des journées, la tâche va se complexifier car on aura plus en plus de documents à vérifier. Du coup on va passer plus de temps à contrôler les papiers de chaque personne. Là je le fais assez rapidement parce que vous voyez, on a juste le passeport à vérifier. Et donc là ça va assez rapidement vu que je suis autorisé à faire rentrer uniquement les Arstotskais. Je crois que ça se prononce comme ça, les Arstotskais. Et à refuser tous les étrangers. Parce que, bon, vous voyez, là, j'ai autorisé à rentrer quelqu'un qui vient d'un port, vous voyez. Donc, bon. Par exemple, c'est ici, vous voyez, lui, il vient de République. Si je le laisse rentrer, j'aurai encore un avertissement comme celui-là, disant que, voilà, j'ai laissé rentrer quelqu'un que je n'aurais pas dû. Bon, là, c'était ma faute, j'ai pas été assez acerbe. J'ai pas fait attention. Mais bref, vous voyez. Je dois laisser rentrer que les gens qui viennent d'Arstotska, pardon. Putain. Déjà que c'est pas simple à prononcer le nom de ce pays. Alors en plus, t'as les noms des citoyens. Vous. Ah non, vous êtes de Kolechi, vous rentrez pas.
ce que je peux vous montrer sur la carte suivante, s'il vous plaît, la carte régionale. Donc nous, nous sommes ici, en Artoska. Voilà, et nous, on gère, bah, je crois que nous, on est ici, on gère la frontière. C'est une erreur d'avoir... Le mec, il s'est tapé 6 heures de queue juste pour me dire que c'était une erreur d'ouvrir la frontière, quoi. Putain, il y a vraiment des gens qui n'ont rien d'autre à foutre de leur journée, quoi. Ça te dit pas plutôt de faire des vidéos sur YouTube? C'est ce qu'ils font la plupart des gens comme toi. Ceci était un troll bien gras. République, non, madame, vous ne pouvez pas rentrer. Pas d'étrangers, non, seulement... Voilà, ça avait bugué. Seulement les Artotskés. Voilà, unique Artotskés uniquement, voilà, exactement. Donc voilà, ici, c'est la carte des régions. Donc voilà, nous sommes ici, exactement, et donc nous sommes autorisés à laisser entrer seulement les gens de chez nous, donc c'est-à-dire ceux d'Artotska, et voilà, tous les autres pays, donc, ou régions, vous voyez qu'elle, elle vient d'Artotska, donc il n'y a pas de problème, elle peut rentrer, c'est marqué ici. Pour l'instant, on n'a que ça à vérifier. Bon, comme vous pouvez le voir, on a d'autres informations sur les passeports, mais je vous en parlerai postérieurement, au moment où on sera amené, justement, à vérifier ces informations. Pour l'instant, on a juste à vérifier... le lieu d'où proviennent les gens, en fait. Par exemple, lui, il vient de Kolichi, comme vous avez pu le voir. Donc, Kolichi, ça se situe juste ici, hein, vraiment à la frontière. Violation, temps est interdit depuis la Kolichi. Ah, je l'ai laissé rentrer, merde. Ah, je fais n'importe quoi, je fais pas attention à ce que je fais. Artotska, oui, toi, tu peux rentrer, pas de problème. Ouais, en fait, je suis en train de vous parler, et du coup, je fais pas attention à ce que je fais. Suivant, s'il vous plaît. Ah, c'est ça aussi qui est chiant, c'est que... Les gens, ils mettent vraiment leur temps pour venir, hein. Ils se tapent une queue de 6-8 heures, mais par contre, quand ils doivent passer, là, par contre, on dirait que d'un coup, ils se décomposent, ils ont peur. C'est bon, les gens, n'ayez pas peur, hein. Même si je vous refuse, vous retenterez votre chance demain, de toute façon, parce que bon, les personnages, à chaque fois, à la longue, c'est les mêmes qui reviennent. Donc là, aujourd'hui, je me suis fait 10 entrées, je crois. Gérer vos dépenses grâce aux cases. Oui, donc, comme je vous disais, il y a une petite partie gestion. C'est donc ici la partie gestion où on doit gérer les dépenses, comme vous disiez, on touche un salaire journalier par nombre d'entrants. Bon là aujourd'hui j'ai contrôlé 10 personnes, mais vu que comme vous avez pu le voir, je me suis pris 2 avertissements, bah, ce qui fait qu'il y a 2 entrants qui n'ont pas été comptés. Du coup, mon salaire a été comptabilisé que pour 8 rentrants, du coup, ce qui fait 40$ vu que je suis payé 5$ par tête. Et donc avec mes 30$ d'économie, ça me fait donc 70$. Bon, c'est en dollars, hein. On est en genre en URSS, mais c'est en dollars. Bon. Ne cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que raison, comme dirait BDF. Et donc là, ici, vous avez donc l'état de notre femme, de notre fils, notre belle-mère et notre oncle. Pour l'instant, tout le monde va bien, c'est normal, c'est le premier jour. Donc on peut déjà commencer à faire des économies sur la bouffe et le chauffage. Comme ça, on a juste le loyer à payer, ce qui est chiant parce que bon, 20$ quand même, qu'on touche un salaire aussi misérable que le mien, 20$ ça fait quand même beaucoup. Bon, au moins, ça nous fait déjà 50$ d'économie pour le lendemain. Par contre, je sens que le lendemain, ils auront tous faim, froid et tout. C'est toujours comme ça, mais bon, au moins, on aura économisé des thunes déjà. Alors ici, classe 8, c'est la, on va dire, la catégorie du logement dans lequel on est. Au début, on commence, donc comme vous avez pu le voir, dans les sortes de mini cutscenes qu'on avait eu au début, si on peut appeler ça des cutscenes, qu'on commence donc dans un appart de classe 8, mais plus tard, en économisant, on pourra aller dans un classe 7, puis dans un classe 6 encore, et voir le maximum qu'on puisse avoir dans le jeu, c'est un classe 5. Mais si vous arrivez à avoir un appart de classe 5, le loyer est vraiment cher, quoi. C'est 50$ si je me trompe pas. Et à ce moment-là, pour faire des économies et pouvoir payer la bouffe, le chauffage et tout, avec un loyer qui fait 50$, je peux vous dire que c'est vraiment galère. Déjà que vous voyez que mon salaire d'aujourd'hui, il a même pas fait 50$, vous voyez. Heureusement que j'avais des économies. Donc ici, les passeports de chaque membre de la famille. Ici, les raccourcis clavier qui se débloqueront par la suite. On aura à un moment donné le moyen d'acheter des raccourcis. Mais bon, moi je fais tout à la souris, donc moi j'en aurais pas vraiment besoin. Et ici donc, on va dire, c'est quand on accomplit quelques objectifs annexes en fait, qui feront que, bon, les entrants nous donneront une sorte de pièce ou de jetons. Enfin voilà, pour nous récompenser de notre gratitude. Enfin bref, voilà, c'est un petit truc à collectionner en fait, c'est ce qui sert un peu d'objectif annexe si vous voulez. Mais bon, je vais pas trop me focaliser là-dessus pour ce let's play. Alors, franc succès pour le poste frontière de Grestin, la voie de l'Artotska. Les analystes optimistes embellis prévus pour le commerce et la coopération. Eh ben, c'est génial, super. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoi.
C'est génial, c'est génial. 24 novembre, on est à un mois de la veille de Noël. Aujourd'hui, on est aux deuxième journée. Ah, donc là, changement. Nous sommes autorisés à faire rentrer les Arctotskiens, bien sûr, autant que les étrangers, cette fois-ci, à partir du moment où leurs papiers sont en règle. Et donc maintenant, nous allons devoir vérifier si la photo, par exemple, correspond à la personne, le sexe, si c'est bien un homme ou une femme, en l'occurrence il s'agit bien là d'un homme, la préfecture d'émission du passeport, donc Gloriane, donc ça je sais que de souvenir ça c'est bon. La plupart du temps je me fais avoir d'ailleurs sur la préfecture d'émission, et ça c'est le genre de truc qu'il faut vraiment faire attention, et également la date d'expiration donc du passeport, c'est bon, tout m'a l'air bon, donc lui il peut rentrer, il n'y a pas de souci. Enfin, vous voyez, maintenant, là, faut vraiment faire attention à ce qui est marqué sur les passeports et non plus juste se fier à la provenance de la personne, s'il est bien d'Artotska ou d'ailleurs, vu que là, maintenant, tout le monde peut rentrer à partir du moment où les papiers sont en règle. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une anomalie, que la date d'expiration est au 3 novembre 82. Nous sommes le 24 novembre 82, donc son passeport a déjà expiré depuis quelques semaines. Donc grâce au bouton ici qui se trouve en bas à droite, je peux détecter les anomalies, donc entre la date d'aujourd'hui et la date de son passeport. Si une anomalie est détectée, je peux l'interroger. Et là, il me dit que ça doit être une typographie, mais bon, en fait, c'est juste que son passeport est expiré et qu'il ne peut pas rentrer, c'est tout. Bon, là encore, aux deuxième journée, on n'a pas vraiment besoin de leur faire remarquer les anomalies, puisque bon, on peut ni les arrêter ou quoi. C'est une fonction, enfin une fonctionnalité qui se débloquera par la suite dans le jeu. Elle, on va la laisser rentrer, parce qu'il me semble que tout est en règle. Alors je ne me pose pas trop la question, je vérifie les papiers en vite fait, puis je la laisse rentrer, vu que là encore c'est assez simple. Donc je me prends pas trop la tête encore là-dessus. Dépêchez-vous, hey, calme, du calme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es si pressé? Enfin, eh ben putain, il y a vraiment des gens désagréables. Suivant. Enfin bon, voilà. Donc avec ce bouton, je peux détecter des anomalies avec le poids, la date ou autre, vous voyez. Donc qui est bien pratique, mais pour l'instant, on n'en aura pas vraiment besoin, comme je vous disais, vu qu'on peut pas encore arrêter les gens. Donc finalement, il y a qu'à juste, voilà. Là, vous voyez que c'est sur son passeport que c'est marqué que c'est une femme, alors que c'est un homme. Donc paf, on va le refuser direct. On n'a pas besoin de tout de suite chercher à leur faire remarquer leurs anomalies, mais ce sera utile par la suite. Bonjour madame, papier s'il vous plaît. Salut beau gosse, tu as l'air de t'ennuyer. Si tu cherches un peu de bon temps, viens nous voir. Oh, sympa. C'est où? Il reste un est? Oh, c'est pas loin de mon lieu de travail. Oh, bah, je viendrai faire un petit tour en ce moment. Bon, bah, écoutez, vu que vous êtes sympa, vous rentrez, je vérifie même pas votre papier. Et n'oubliez pas de passer me voir. Ah, bah, dis donc, c'est qu'elle a vachement envie, on dirait. Ou alors c'est juste qu'elle essaie de m'acheter mes faveurs pour passer. Non, non, elle avait ses papiers en règle, sinon j'aurais reçu un avertissement. Donc, monsieur, bon bah ça m'a l'air en règle, vous pouvez rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un mec qui essaie de frauder. Il a sauté le mur. Mais vas-y, mais tire-lui dessus, qu'est-ce que tu fais? Mais putain! Oh non, il va se faire déglinguer. Oh, mais putain, mais c'est quoi ces gardes de merde, quoi? Il y a un mec juste devant lui, il est même pas capable de tirer rien qu'une balle sur lui. Et encore, bon, il a réussi, mais il s'est fait exploser par une grenade après. Putain, quoi. Mais c'est quoi ces gardes en carton qu'on a? Putain, et mon salaire, quoi? Et merde, que 30 dollars. Ouais, c'est ça qui est chiant, qu'on se fait attaquer par des terroristes, parce que là, c'est. On a été victime d'une attaque terroriste, mais croyez-moi que ce sera pas le dernier. Des attaques terroristes dans le jeu, il y en a pas mal, quoi. Et ce qui est chiant à chaque fois, c'est que ça vous nique votre salaire à cause de ça après. Parce que bon, vous n'avez pas pu compléter votre journée, et du coup, votre salaire s'arrête, on va dire, à quoi, à une matinée de travail à peu près. C'est comme si vous aviez bossé à mi-temps, quoi. Donc du coup, avec les 50 dollars qu'on a économisé la veille et nos 30 dollars d'aujourd'hui, bon déjà on peut payer le loyer. Et là ils ont, comme j'aurais rien donné la veille, ils ont tous froid, ils ont tous faim, et en plus le fiston il est tombé malade. À chaque fois c'est lui qui tombe malade en premier, j'ai remarqué. Je crois en fait c'est le plus fragile de la famille en fait, le fiston. Du coup bon bah cette fois-ci on va leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Et on va continuer, on enchaîne sur la troisième journée donc. Les terroristes frappent à Grestin, les agitateurs collèges soupçonnés. Donc le terroriste serait donc un collège. C'est la région qui se trouve juste en face de nous en fait. Là si vous voulez, notre frontière en fait là,
Et vraiment entre l'Artotska et la Kolechi en fait. Hein. La Kolechi est juste derrière le mur. Enfin, je veux dire de l'autre côté, vous voyez. Donc d'ailleurs, comme je vous ai peut-être montré ça sur la carte, en fait, voilà, nous on est ici en Artotska. Et les collèges, ouais, ils sont ici. Bon, ils ont un... bon, leur région est quand même vachement grande, hein, cela dit. Putain, genre, ils ont tout ça comme région, nous on a que ça, et ils trouvent quand même le moyen de nous casser les couilles avec leurs putains de terroristes, quoi. Oh, pas vrai. Du coup, aujourd'hui, quelles sont nous, les nouvelles instructions? Ah oui, c'est les bons d'entrée. Donc maintenant, on rajoute un autre document. On devra vérifier le passeport et le bon d'entrée en plus. Le bon d'entrée, c'est ce petit papier que vous avez là, donc, et qui donne donc la validité d'entrée aux entrants à la date d'aujourd'hui, qui est le 25 novembre. Et effectivement, c'est la bonne date, donc cette personne est autorisée à rentrer. Donc voyons si son passeport est en règle, la photo ressemble. Ok, tout le reste est bon, donc c'est nickel, vous pouvez rentrer, madame, il n'y a pas de souci. Suivant, s'il vous plaît, suivant, suivant. N'ayez pas peur, même si vous êtes refusé, vous revenez le lendemain à chaque fois, parce que bon, à force, c'est tout le temps les mêmes têtes qui reviennent, donc même si vous devez vous taper 6-8 heures de queue, bon, écoutez, hein, c'est vous qui cherchez à passer de l'autre côté de la frontière, hein, moi je suis quel douanier. Donc vous, il y a un problème là, vous n'avez pas votre bon, enfin votre bon d'entrée, où est-il? Où est votre bon d'entrée? Parce que c'est possible qu'il l'ait, mais qu'il l'ait juste oublié. Voilà, c'est pour ça. J'aurais pu le refuser direct, mais ça aurait été une erreur à ce moment-là. Là, pour le coup, il faut faire remarquer aux gens s'ils ont bien leur papier, parce que c'est pas forcément qu'ils l'ont pas, mais juste qu'ils l'ont peut-être oublié, vous voyez. En l'occurrence, là, cette personne l'avait bien sur lui. Donc, c'est bon. Vous pouvez rentrer. Et là, par contre, pour le coup, comme je vous disais, là, faudra utiliser le bouton des anomalies. Bon, allez, suivant, s'il vous plaît, suivant. J'ai pas toute ma journée, là. Je suis payé au nombre d'entrants que je contrôle. Donc, s'il vous plaît, veuillez bien vous dépêcher. Tu peux te... Ah, toi aussi tu travailles là-bas. Cela dit, t'es un petit peu trop bleu à mon goût. Non, ça ira, tu veux pas reprendre ta carte? Non? Bon, bah, tant pis. Voyons voir si tes papiers sont en règle. Bon, bah, tout m'a l'air en règle. Bon, généralement, les gens qui travaillent, y a pas trop de problèmes avec eux. Pas si on peut nous demander Ava. Ouais, pourquoi pas. Ah bah, d'ailleurs, même, ce qui est dommage, c'est que... déjà, il y avait une de ses collègues à elle qui était passée hier. Elle m'a laissé une carte, mais c'est que finalement, c'est juste comme ça... pour l'item, finalement, histoire de dire que, mais on peut pas y aller pour de vrai. C'est dommage, ça aurait été sympa comme featuring à rajouter dans le jeu. Peut-être que si un jour le développeur fait une suite, ce serait sympa. En même temps, un autre featuring qu'il aurait dû rajouter dans le jeu, ce serait peut-être de rajouter une sorte de radio pour qu'on ait un petit peu de musique pendant qu'on contrôle les gens, parce que là, ce qui est un petit peu dommage, c'est vraiment mis à part le son des voitures qui passent derrière, on a vraiment aucun son, quoi. Autant le thème sonore qu'on a lorsqu'on est dans les menus est plutôt sympa, mais là, lorsqu'on contrôle les gens, c'est vrai que ça fait un peu morose, quoi. Pas de musique, pas de thème, rien. C'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est dommage. La meuf qui me disait que j'ai de la chance d'avoir ce boulot, et effectivement, j'ai de la chance de bosser à un endroit aussi risqué, il faut dire. Putain, votre date n'est pas bon. La date du bon d'entrée n'est pas bon, monsieur. Je ne peux pas vous laisser rentrer. Oh, bah c'est tout ce que t'as à me dire. Oh, bah oui, oh, tu peux pas rentrer, mon pote. Je suis désolé. Reviens demain. Essaie d'avoir un bon d'entrée qui soit valide. Suivant, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. On voit que l'heure tourne. Il est déjà midi et quart. Moi, j'ai pas le droit à une pause déjeuner. Moi, je dois bosser de 6 h jusqu'à 18 h, putain. 25 novembre, c'est bon, monsieur. Monsieur serait une femme, quoi. Il se fout de ma gueule, monsieur. Attendez, est-ce que si je lui fais remarquer, est-ce que j'ai... Non, je crois que... Parce que par la suite, il me semble, hein, on peut débloquer la fouille, en fait, lorsqu'il y a ce genre d'anomalie, lorsque par exemple sur le papier c'est marqué que c'est une femme alors que la personne est un homme. Mais apparemment, c'est pas pour tout de suite, ça se débloquera un peu plus tard. Mais vous remarquerez que c'est assez space dans le jeu que même que ce... On va dire qu'ils ont sur leur passeport marqué que c'est une femme mais qu'ils ont une tête d'homme, et bah que après fouille, il s'avère qu'effectivement. Alors lui, il a même pas de passeport, ça c'est encore plus fort. Où est votre passeport? Artotska, c'est trop super, pas besoin d'un passeport, pas vrai. Un passeport est obligatoire, voyons. Ok, bien compris. Je vais revenir encore. Je sens que lui, on va le revoir souvent en plus. Donc qu'est-ce que je vous disais? Que oui, et en fait, ça arrive dans le jeu qu'il y ait des gens qui est une tête d'homme mais avec un corps de femme en fait tout simplement et inversement, vous voyez. Donc c'est assez troublant, hein, le c'est un aspect assez troublant du jeu, vous voyez. Bon, toi tu rentres. Ah, j'ai pas fait gaffe à ton... Non, ça va, c'est bon de toute manière.
Là, j'essaie de faire le plus d'entrées maximum parce que le coup du terroriste la veille, ça m'a bien niqué quand même parce que là, j'ai pas pu me faire vraiment un bon salaire à cause de ça. Là, il y a un problème. Je regarde même pas votre bon d'entrée, il y a déjà un problème avec la photo de votre passeport. Les années ne m'ont pas épargné. Oui, bah oui, mais bien sûr. Bon, c'est peut-être vrai, mais je peux pas vérifier ça vu que là, j'ai pas encore accès aux empreintes parce que bon, il y a des featurings qu'on débloquera par la suite. Quand je vous ai dit la fouille, les empreintes, tout ça viendra après. Pour l'instant, je peux que accepter ou refuser les gens. Donc là, pour l'instant, voilà, je peux pas faire autre chose de plus. Elle peut rentrer, c'est bon. Passez un bon séjour. Mais d'ailleurs, je me demande bien à quoi ça sert du coup de détecter les anomalies là maintenant. Du coup, vu que là, je peux que accepter ou refuser les gens, je peux pas les arrêter ou quoi. Vu que plus tard, on pourra arrêter les gens lorsqu'on arrive à trouver une anomalie comme quoi que le papier serait falsifié. Ouais. Là, par exemple, la date a expiré pour cette personne. Du coup, je ne peux pas la laisser rentrer. Mais en y repensant, pourquoi je fais détecter anomalie à chaque fois? J'aurais dû juste la refuser directement, vu que là, justement, ça ne sert à rien. Allez, suivant, suivant. Vite, vite, vite. Il faut que j'arrive à me faire un bon salaire, là, pour récupérer de la veille. Monsieur. Monsieur, c'est bon pour monsieur, je crois. Monsieur, c'est bon. Vous, attendez, je vérifie votre papier. Ah, ça, ah! Ça, c'est pas bon. Monsieur, vous ne rentrez pas. Vous ne pouvez pas rentrer. Suivant, dépêchez-vous. Suivant, suivant. Ah, putain, il était en train de venir, il s'est arrêté sur le pas. Ah, dommage. Bon, bah, écoutez, j'aurais contrôlé 13 personnes, du coup. C'est ça, 13 personnes, $65, ça va. Ça m'a permis de me refaire de la journée d'hier. C'est une bonne chose. Et là, tout le monde va bien, c'est super. Du coup, hop, on refait des économies. On aura toujours le loyer à payer, malheureusement, mais bon, ça, on ne peut pas y échapper. Donc, en vrai, j'ai envie de dire, en classe 8, on paye que $20 de loyer, comme je vous ai dit. Si on prend l'appart maximum, enfin de classe maximale qu'on puisse avoir lors de la campagne qui est de classe 5, comme je vous disais, c'est $50 le loyer et ça fait un petit peu mal quand même, hein. Ça nique bien. Bon, du coup, on va se laisser là-dessus, je pense. Hop, voilà, on va. Tac, enfin, on va dormir histoire que ça sauvegarde. Et donc voilà, j'espère que ce premier épisode de ce Let's Play vous aura plu. Alors aussi, un autre point que j'ai oublié de vous dire. C'est que ce jeu a plusieurs fins alternatives. Donc à des moments, on aura des choix à faire et cela va se répercuter sur la suite de l'histoire. Donc si vous voulez que je prenne certains choix particuliers à des moments où faudra justement faire des choix, bah, dites-le moi dans les commentaires si vous prenez ce let's play en cours de route. Vu que là, je sais pas encore sur quelle fin j'ai l'intention de me tourner pour ce let's play. Mais on verra ça en temps et en heure, en temps et en heure. Putain, à chaque fois j'ai du mal à faire cette liaison. Enfin bref, voilà. Si vous voulez que je fasse un choix particulier, dites-le moi dans les commentaires. Donc sinon sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce let's play. Et en attendant, portez-vous bien. Salut à tous!